Parisien, parisienne du soir, bonsoir. Je sais pas qui l'abruti qui a dit nul n'est irremplaçable. Et ben celui-là qui a dit cette connerie-là, il ferait mieux se la mettre où je pense. On a eu la preuve que quand il manque une majorité des joueurs importants, et ben voilà le résultat. Le PSG a perdu leur premier match de Ligue 1. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé qu'on perde le premier match. Et en plus, face à Lens. Lens que ça faisait très longtemps qu'ils n'étaient pas revenus en Ligue 1. Enfin, très longtemps. Ça faisait un bon moment. Donc bravo à eux. Franchement, très grand Lens. Un très grand Lens, une très grande équipe. Ils ont été parfaits. Bon, ils jouaient peut-être un petit peu trop aux fautes des fois. C'est peut-être le seul point négatif que je leur reproche. Mais sinon, ils ont été parfaits. Ils ont été au pressing quand ils ont pressé comme il fallait. Ils ont fait un très bon mur défensif quand le Paris Saint-Germain avait le ballon. Le gardien, il était rassurant. Ah non, franchement, rien à dire sur Lens. Donc bravo, ça fait plaisir de revoir Lens. Franchement, sincèrement, ça fait beaucoup plaisir de revoir ce club de Lens. Mais bravo parce que bah, ils gagnent leur match contre le Paris Saint-Germain. Ils battent l'un des plus grands clubs de France pour le moment. Alors soit bah, c'est comme souvent le Paris Saint-Germain, ils se la jouent un peu un peu fin, un peu doucement contre les petits clubs et puis pas bah, ils se font avoir. Ou alors, on a eu en face de nous une équipe qui va aller loin en championnat français. Je le sens bien. Et franchement, je leur souhaite de tout cœur l'équipe de Lens parce que ils méritent. Ils méritent largement leur victoire. Et ils mériteraient d'aller très loin. Sincèrement. Le Paris Saint-Germain, bah, ce soir, voilà quoi. Ils avaient un gros handicap, bah, c'est qu'ils avaient ni Marquinhos, ni Navas, ni Mbappé, ni Neymar, ni Di Maria, ni Icardi. Enfin voilà. Ils n'avaient pas ces gens-là. Si encore il manquait juste Neymar, Mbappé, Di Maria, si encore il manquait que ces trois-là, peut-être que Icardi, il aurait été là au bon moment. On aurait eu encore peut-être Marquinhos qui permettrait de bah, d'être là quand il faut quoi. On aurait Navas qui aurait été plus rassurant dans les cages. Parce que Burka, bon, on va pas après non plus blâmer. C'est vrai qu'il fait une terrible boulette. C'est vrai que ce but-là, il devrait pas y être. Il devrait pas faire ce genre de passe. Mais bon. Ça arrive, ça a été le stress. Après, il s'en est rendu compte tout de suite. Bon, il se prend le but tout de suite, direct derrière, mais voilà, c'était trop tard. Il s'est rendu compte tout de suite qu'il avait fait une erreur, mais c'était trop tard. Mais après, derrière, voilà, il s'est rattrapé. Il a arrêté le but du 2-0 quand même. Hein. Parce que derrière, Lens, ils étaient là. Hein. Je vais parler maintenant des joueurs. Les seuls joueurs que j'ai trouvé bons dans ce match. Donc malgré sa petite boulette, on va dire un peu Bulka, parce que malgré sa boulette, voilà, il a été là au bon moment pour arrêter là où ça fallait être le 2-0. Voilà, il a su être un peu rassurant quand il fallait. Il aurait dû être un peu plus rassurant sur le premier but, mais bon, c'est pas grave. On va pas lui en vouloir. Verratti, toujours aussi bon. Gay, il se démerdait comme il pouvait. À un moment, il avait le ballon, il reculait avec le ballon, mais bon, il n'y avait personne pour l'aider. Donc, son but à lui, c'était de protéger et de pas se faire prendre le ballon. Donc, il s'est débrouillé comme il pouvait. Donc, Gay, voilà, ça, il s'est débrouillé comme il pouvait. C'est tout. Parce que Kimpembe, Bernat, Kerrer, je les ai pas vus. Ils n'ont pas été exceptionnels pour moi. Mais alors pas du tout. Ils n'ont pas été exceptionnels pour moi, ces trois-là. Sarabia,
Sarabia, lui, pour moi, c'est ça. C'est début de saison, c'est ça. Mi-saison, au bout d'un moment, au début de la mi-saison, il commence à monter, tu te dis, ah, en fin de compte, il est pas mal. Il reste comme ça, à un moment, hop, il commence à redescendre, il redescend, il redescend. Et là, pour moi, là, il était comme le début de la saison dernière. Tiens, c'est simple, pour moi, il était comme comme la saison dernière en début de saison. Là, je sais pas. Sarabia, je sais pas. Herrera, je l'appellerais le chantôme du Paris Saint-Germain, parce que il peut être bon comme des fois, il peut être un peu bizarre. Herrera, je sais pas, j'ai du mal à le cerner encore, Herrera. Beaucoup de mal. Il peut faire de très bons trucs comme des fois il peut gâcher. Un peu comme Chantôme, une époque. Après, par contre, les points positifs, c'est qu'il y a eu deux joueurs. Franchement, j'espère les voir un peu plus alignés. Et que de temps en temps, on les aligne avec nos gros joueurs qu'on a. Kalimundo, qui joue en France Espoir. Je crois qu'il a 18 ans, je crois. Franchement, il y a du potentiel dans ce joueur-là. Il est très intéressant. Il a su faire des bonnes protections de balles, des bons appels. Oh, il a été très intéressant. Après, manque de réussite, c'est normal, ils sont encore jeunes. Ils ne peuvent pas non plus tout de suite donner la victoire ou quoi que ce soit. Là, je pousse le portable parce qu'il glisse. Donc non, franchement, Kalimundo, il y a du potentiel. Franchement, je l'alignerai un petit peu plus, ce joueur-là. Et Ruiz. Alors ce petit gamin, pareil, je crois 18 ans. Alors lui, il est très prometteur. Lui aussi, je l'alignerai un peu plus. Je le mettrai un petit peu plus titulaire, genre dans les matchs comme ça. Genre Ligue 1, un peu de Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais je pense que si ces deux joueurs-là, on les aligne de temps en temps avec nos joueurs qu'on attend qu'ils reviennent du Covid. Eh ben, je pense que ça peut faire quelque chose d'intéressant. Parce que le petit Ruiz, j'ai vu ses petits débordements très bons. Il a rien gâché, si, à part. Ben non, non, il a rien gâché. Bon, évidemment, à part sa frappe qui a été loupée, mais c'est normal. Il a tenté, c'est bien, il a tenté. Mais il n'a pas fait que ça, quoi. Il a fait de très bonnes passes, il a fait de bons appels. Ah non, 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 franchement, le Ruiz, là, il est intéressant. Donc, Ruiz et Kalimundo, franchement, eux, c'est un point très positif pour la suite. Maintenant, on va voir, est-ce que Tourelle va encore, est-ce qu'il va les faire jouer ou pas, ça, on sait pas. Oh, j'aurais dû faire la vidéo un peu plus long, merde. Bon, c'est pas grave, hein. Elle piège à mouche. Non, donc voilà. Donc, bah, défaite du Paris Saint-Germain face à Lens. Donc, bravo à Lens, un très grand Lens ce soir. J'espère pour eux qu'ils iront loin. Le Paris Saint-Germain, bon bah j'espère qu'on va récupérer au moins quelques joueurs parce qu'on joue contre Marseille dimanche. Et j'ai pas envie qu'on perde ce match-là. Enfin, surtout pas maintenant. Parce que là, ce serait vraiment pas bon. On perd la finale de la Ligue des Champions. On perd premier match face à Lens. Imagine si on perd contre Marseille. Oh punaise. Ah, ce serait la goutte d'eau. Ah, franchement, là en fait, ce match, bah oui, il a manqué des gros joueurs. Mais aussi, il y a un truc que je vais dire. C'est là aussi, je vais pousser un petit coup de gueule. Non, maintenant, je vais dire quelque chose. C'est tout bête. C'est dans ces moments-là qu'il aurait fallu prolonger Thiago Silva et Cavani. C'est tout. Il aurait fallu les prolonger, ces joueurs-là. S'ils auraient prolongé Cavani, Thiago Silva, pourquoi pas Meunier aussi? Si on aurait prolongé ces trois joueurs-là, eh ben au moins, on aurait de quoi les remplacer. On aurait de quoi remplacer ceux qui sont malades. Eh oui, Icardi est malade, eh ben on mettait Cavani. Marquinhos qui est malade, on mettait Thiago Silva. Et pas Kurzawa. Hein? Parce que le Kurzawa, bah c'est Kurzawa, quoi.
Il aura du mal à nous surprendre celui-là, mais beaucoup de mal. Et des moments où des fois il a des coups de génie, mais c'est très rare. Ça compte sur les doigts d'une main. Et encore. Donc ouais. Donc ce match-là, bon bah. Espérons que ça sera mieux contre Marseille dimanche. Espérons que. Alors à ce qui paraît Neymar, peut-être qu'il reviendrait pour le match contre l'OM. Ce serait pas mal. Donc sur ce, bah c'est pas grave, hein. Défaite, hein. Ça arrive, c'est le football, c'est tout. Il y a des joueurs qui ont voulu partir à Ibiza. Bon, bah, c'est leur droit. Après, je ne vais pas les critiquer. Ok, d'accord. Ils ont fait une très bonne saison. Ils méritaient. Même s'ils avaient perdu la finale, bon, voilà, ils ont voulu sortir un peu. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils avaient oublié qu'il y avait le Covid. Mais bon, bah, voilà, malheureusement, ils ont attrapé le Covid. Et... Si c'était 2-3 joueurs, encore ça allait. Mais non, là, c'était 7. Et c'était, en plus, le pire, c'est que c'était les piliers. C'était les plus gros piliers. Après, on a Verratti, on a Kimpembe, mais voilà. Bon, Verratti pouvait pas tout faire et Kimpembe, bah, c'était pas le Kimpembe qu'on connaît. Hein, donc, voilà. Verratti, bah, il peut pas te faire tout seul. C'est comme ça, hein. Ça arrive. Donc, espérons que les prochains matchs se passeront mieux. Et puis, bah, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis, hein.